Alors, une bière saison, j'adore ça. C'est vraiment un style de bière qui est apporté par la levure dite de saison, qui est une levure belge, une levure des Flandres. En anglais, c'est les farmhouse. Alors, c'est des bières qui est à la base brassée dans des fermes à destination des saisonniers. Donc, c'était des bières qui étaient assez sèches. Et la levure de saison amène ce côté très sec sur une bière. C'est des bières qui sont vraiment fermières. Elles ont un goût très acidulé, très rustique. Donc, c'est des bières qui dessoifent bien. C'est une levure, donc la levure de saison, qui consomme énormément les sucres. Donc, il va rester très peu de sucre résiduel en fait à la fin de la fermentation, d'où le côté sec de la bière. C'est un style, c'est pas une bière parce qu'elle est brassée au mois de mars ou parce qu'elle est brassée au mois de novembre que c'est une bière de saison. C'est vraiment la levure qui va amener ce style très rustique, très fermier. Et c'est un style, moi, que j'aime beaucoup parce que c'est très buvable. Alors, buvable, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens positif, dans le sens anglo-saxon, drinkable, c'est-à-dire qui sont faciles à boire, qui sont un entre-deux. Entre ceux qui sont pas très IPA ou blond et ceux qui aiment les bières avec un peu de caractère et pas forcément une bière blonde de base, c'est vraiment un entre-deux et c'est un style très intéressant à explorer. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, je brasse une saison qui sera la troisième de ma gamme. Et puis même par exemple la Paper Trip de Daniel Thirier qui est une impériale saison, donc elle a 8 degrés, elle a des malts spéciaux comme je crois qu'elle doit avoir du seigle, de l'épeautre, enfin c'est très complexe au niveau de la texture et de la composition des céréales, mais c'est une bière qui va être agréable à boire et pas du tout écœurante. Et enfin moi je trouve que c'est vraiment un style que j'affectionne et qui mérite d'être plus connu en fait. Parce que, enfin, moi, je vois ma saison, j'en ai sorti une saison avec des houblons un peu américains. Elle marche super bien parce que les gens découvrent un style à part entière et qui plaît pas mal.